Enchanté. Donc t'es venu avec quoi? Avec un BMW X1. Et toi? Et moi, tu connais Austral, Renault Austral, le remplaçant du Kadjar. Ah, ah. Et ça, c'est le remplacement de l'ancien X1. Ah, incroyable. Et ben dis donc, quelle bonne surprise. Non, et l'Austral, c'était quand même la sortie qui a fait sensation en septembre. Enfin, on en a quand même beaucoup entendu parler. Donc, que je ne connaissais pas, et toi tu le connaissais, mais donc ça m'amusait de l'essayer. Effectivement, je connaissais bien ces deux modèles, puisque je les essayais, celui-là, je crois que c'était le jeudi, et celui-là, c'était le vendredi. J'avais fait Espagne-Annecy directement, et ces deux modèles qui ont plu énormément sur la chaîne, parce que 100 000 vues pour celui-là, 100 000 vues pour celui-là, alors on s'est dit, comparons-les. Comparons-les, parce que c'est sorti en même temps, c'est à peu près les mêmes gabarits, c'est deux SUV. Ouais, après, dans le design, il y en a un qui a l'air beaucoup plus costaud que l'autre. Celui-ci fait quand même plus costaud. Ouais. Après, voilà, on est sur des gammes un petit peu différentes. Mais au final, on se dit, pourquoi pas? Ouais, c'est intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous, par exemple, ce serait dans votre tête de vous dire, est-ce que je prends un X1 ou un Austral? Au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne pour toi? Alors, entrée de gamme, 34 000. OK. Et là, c'est l'iconique esprit Alpine, 45 300. OK, ce qui est plutôt correct. Parce que moi, je commence aux alentours de 40 000, donc petit peu au-dessus, 5 000 au-dessus de ton entrée de gamme. Et le modèle que je présente aujourd'hui, avec une finition M Sport, je suis aux environs de 60 000. Ouais. Bon, c'est le premium allemand, alors que là, c'est Renault, mais qui se bat bien face au X1. Donc, c'est deux philosophies différentes, deux budgets différents, mais des voitures qui sont pas si opposées que ça. Exactement, parce qu'on voit là, un petit peu plus gros, un petit peu plus imposant, mais en vrai, on a quand même de l'espace dans celui-ci, on est plutôt bien. Mmh. On a des finitions qui sont en nette amélioration, un système d'infodivertissement tout nouveau. Rien à voir avec avant. Ouais. Là également, sur ce X1, nouveau système d'infodivertissement avec le curve display. Là, on a l'Android Automotive. Ouais, honnêtement, très très bien fini. Voilà, très... Pour le quotidien, c'est exactement ce dont on a besoin. Enfin, c'est vraiment... Au niveau de la taille, quelle taille tu fais, toi? Celle-là, elle mesure 4,51 m. 4,51 m? C'est dingue parce que celui-ci fait 4,50 m. Ah, donc c'est sensiblement... C'est marrant parce que quand on regarde... Ouais, en vrai... Celle-là fait plus petite. Ouais. Alors que celle-là, elle donne un air un petit peu plus... Mais attends, c'est peut-être la largeur. Vas-y, la largeur. Combien? La largeur, 1,83 m. 1,85 m. Ah, donc t'es quand même un peu plus... Enfin, c'est 200, ça se joue à 2 cm, c'est ça, quoi. Alors, c'est la hauteur. Parce que franchement... La hauteur. La hauteur, 1,62 m. 1,64 m. Bah, en fait, t'as à chaque fois un petit centimètre de plus. C'est peut-être parce que c'est un petit peu incliné ici, mais ouais, c'est pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est... Alors, tu sais quoi? C'est la calandre. C'est la calandre. C'est la calandre qui est quand même hyper agressive. C'est vrai qu'elle fait parce que l'Austral fait on a presque l'impression que elle est il fait plus gentille ouais, quoi. Plus gentille. Alors mais c'est vrai que quand on le voit tout seul dans la rue, je commence à en voir dans la rue parce que ça commence à arriver. Ouais. C'est vrai que quand je le vois tout seul, je me dis ouais, c'est quand même un beau joujou. Ouais. Et c'est vrai que là comparé au X1, celui-ci il fait plus viril. Ouais, parce que BMW c'est des calandres qui sont quand même assez présentes. Celle-là ça va parce que tu as vu maintenant ça descend quand même certaines. Ouais, mais quand même elle est très verticale. Ouais. Imposante. Double haricot. Bien. Moi j'adore. Moi j'adore les calandres agressives. Ok. Et c'est vrai que là on a un côté un peu plus agressif. Là c'est bien expressif. C'est... Surtout avec cette couleur mate en plus. Ouais, parce que c'est trop beau. C'est tout doux. Et j'adore tu toucher. Elle me regarde touche comme c'est beau. Ah oui. Ah c'est incroyable. Ah, c'est agréable, ouais. N'est-ce pas? Pourquoi moi c'est pas? Gringo de bébé. Ah oui. Ah, je vois. Ah, mais c'est ma peau, toute douce. Non. Bon, arrête tes bêtises. Donc, final, au niveau de la taille, on est sur quasiment la même chose. Donc, c'est franchement. Donc, comme quoi le design peut vraiment jouer. Parce que là, on a l'impression que les gabarits ne sont pas les mêmes. Carrément. C'est juste une histoire de design. Carrément. Mais vraiment, waouh. Du coup, on décortique un peu cette face avant.
Allez, on commence par laquelle? Bon, on était sur le X1, alors allez, finissons-le. Venez, je vous amène un petit peu par ici. Bon alors, ma tuture à moi. X1, toujours le logo BMW ici, ouais. Au centre. Pas entouré de bleu parce que pas d'hybridation sera située ici, mais il existera également en iX1. iX1, c'est la version 100% électrique qui va sortir. J'essaye ça au mois de janvier. Et d'ailleurs, tu seras peut-être là. Je serai là. Si tu es sage, on te mettra peut-être dans la vidéo, si vous l'aimez bien. Je suis toujours sage. On lui dit de l'incruster ou pas? Donc, ça existera également en version électrique, ça existera en PHEV, ça existe en essence et en diesel. Ouais, alors que pas de diesel. On parlera après de la. Ah, pardon. Oh là là. C'est ma voiture. Aujourd'hui, c'est une version 23i, donc xDrive 23i, 4 roues motrices et 204 chevaux, plus une petite micro-hybridation 48 volts qui vient assister, en fait, avec un gros alterneau démarreur qui vient aider le moteur, donc plus de 200 chevaux sur celle-ci. Toi, je sais que tu es à 200 chevaux. On en reparle. Ouais, je croyais que j'avais pas le droit de parler de 200. C'est moi qui en parle. Vas-y, dirige, ça m'énerve. Donc, elle existe en 18i, 18d, 23i, 23d. Il y aura une version PHEV et iX1 qui sera 100% électrique, dont on vous reparlera très bientôt. Sur le capot, capot assez à plat, bien marqué comme tu peux le voir. Mat, ça fait bien ressortir les contrastes. Grosse calandre, comme tu disais, une caméra ici, puisqu'on a les packs de caméras 360, comme on retrouvera sur les deux. Maintenant, c'est devenu un petit peu la routine, surtout sur des SUV. On a cet endroit avec un volet actif. Et en fait, c'est pas les petites lamelles qui s'ouvrent. Là, j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Alors, j'ai pas réussi à le refaire. C'est tout un cache qui vient tout fermer. Et ça, ça joue pour l'aérodynamique et les consommations. Ouais, ce qui est aujourd'hui est super important. Carrément. Ouais. Au niveau des consos aussi. Pour l'aérodynamique, on a des entrées d'air ici sur le côté qui viennent guider les flux d'air dans les arches de roue. Ça, ça joue un petit peu sur le CX. Au niveau des consos, celle-ci, on sera alors en utilisation réelle. Là, ça fait une semaine à peu près que je l'ai. Je tourne aux alentours des 7 litres en faisant d'Île-de-France, en ayant fait un petit peu tout type de route. Je suis allé jusqu'à Fontainebleau et autres en revenant à Paris. 7 litres de moyenne. Franchement, c'est bien voilà, par rapport au gabarit, sans hybridation. Ouais. C'est correct. Un petit peu plus bas, on retrouve quelque chose de plus dynamique, plus sportif, plus agressif, qui ressemble un petit peu à des M, hein, puisqu'on a quand même un pack M Sport. Voilà, pour la vente de celle-ci et surtout des feux Matrix LED également qu'on retrouve ici avec les BMW LED qui détournent les voitures et les Angelize qui font maintenant plus tout le tour du bloc optique, mais juste une petite paupière, un petit sourcil. Allez, c'est à toi. C'est à moi. Bon, l'Austral, comme souvent chez Renault, c'est un peu plus consensuel comme design, peut-être plus simple, mais on retrouve toujours la forme C-shape, donc en forme de C, des phares qui encadrent la calandre avec l'énorme logo Renault au milieu. Alors, c'est relativement discret parce que il n'y a pas de couleur, mais il est quand même bien présent et je trouve que ça lui donne quand même pas mal de personnalité. Pareil, le capot est plutôt assez à plat. Il intègre aussi les aides à la conduite. Et oui, pardon. C'est vrai qu'il aime bien montrer toutes les caméras. Pardon, bien entendu. Sinon, donc c'est pareil, des phares full LED. Matriciel en plus. Matriciel. Et un bon avantage chez Renault parce que c'est pas toutes les phares qui étaient matriciels chez Renault. Et là, on passe quand même un petit step au-dessus. Mais de toute manière, avec l'Austral, il monte en gamme. Carrément. Là, on est vraiment. C'est pour ça que je me permets de. C'est pertinent. Mais donc là, je sais pas si il y a d'autres choses qui te. Le capot aussi, bah tu vois, moi il était marqué ici avec un pli ici. Là, on le voit en fait, il y a une rainure dans un bombage, ce qui est assez original. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais, souvent c'est bombé, ça remonte. Tu vois là, par exemple, c'est bombé et ça refait ça. Donc là, ça fait ça. Ouais, ça. Mais là, ça fait ça. Ouais. Donc c'est assez original. Ouais, mais du coup, ça donne, ça donne quand même un peu de personnalité, pareil. Carrément. Les petites facettes un petit peu miroir, un peu partout. Ouais. Pas mal. Et après, donc, toi, t'as un vrai radiateur derrière. Là, c'est une simple hybride. Donc, au niveau des moteurs, il y a plusieurs moteurs. Ouais, il y a 130, 160. Là, c'est 200. Il y a mild hybride et full hybride. Donc, la 200 chevaux, c'est une full hybride. Ok. Avec la boîte e-tech. On connaît bien chez Renault, donc avec la boîte à crabeaux. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé. Je parle avec les ingénieurs où les ingénieurs m'expliquent comment fonctionne cette boîte très particulière. Ouais. En fait, c'est repris de la Formule 1 de base. Il n'y a pas d'embrayage. Et en fait, c'est toujours le moteur électrique qui vient assister le démarrage. Donc, la voiture, dans tous les cas, elle démarre en électrique tout le temps. Et ensuite, la boîte à crabeaux va s'enclencher.
Et ensuite, ça va rouler. Et je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Ouais, c'est intéressant. Tu regarderas, Clément. Ouais, je regarderai. Donc voilà, donc c'est plus simple, mais intéressant. Et effectivement, ça, c'est assez original. Et moi, j'adore les formes des feux. Que je trouve que ça donne du dynamisme et quand même pas mal de finesse. Parce que c'est assez fin. C'est et à l'arrière, on va voir, c'est pareil, c'est assez allongé. J'aime bien. Ah, on va regarder ça. Bon. SUV, donc qui dit toujours c'est Georges de Roux ici, mais là c'est peint, tu vois, toi aussi tu les as peints, ouais. C'est ce que j'aime bien, parce que souvent les SUV de nos jours, c'est du plastique, là je trouve que c'est plus sympa peint. Petite originalité sur ce X1, c'est les poignées ici, qui sont intégrées dans la porte où il faut rentrer ta main dedans, ouais, ça joue un peu sur l'aérodynamisme. Petite caméra également, tout autour pour les caméras 360, et c'est vrai que la hauteur, donc 2 petits centimètres de plus que toi. Ouais, tu veux que je te montre chez moi? Allez, allons voir, parce que voilà, c'est quelque chose de très simple. J'ai ce petit badge M ici. Toi, t'as ça, j'adore. Oui, moi aussi, j'ai. Ouais, on va voir. Mais Alpine, moi. Bon, et la tienne, ce beau bleu, ce biton. Moi, bah, donc là, tu vois, les Arches de Roux, elles sont peintes, mais elles sont noires. Donc, ouais. Effectivement, il y a un petit contraste que j'aime bien. Il y a le badge Alpine. Alors, quand on conduit une Renault et qu'on a un badge Alpine, c'est quand même un peu la classe. On en parlait tout à l'heure. Après, RS Alpine, ça... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. N'empêche que c'est plutôt assez joli. Ouais. Et puis après, donc pareil, c'est un design très simple. Je trouve que la ligne qui est là, elle se serait prolongée sur toute la portière, ça était pas mal. Maintenant, bon, voilà, elle meurt sur les portières de chaque côté. Ouais. Mais bon, je trouve que ça marche. Le côté biton, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé. C'est vrai. Est-ce que l'arrière vous rappelle une voiture? Bah, allons à l'arrière, du coup. Mais là, tu vois, ce bout-là, là. Est-ce que ça vous rappelle une voiture? Vous, dans les commentaires. Clémence Posta, qui voit bien. Ah, pardon. Ça, là. Moi, ça me rappelle une autre voiture. Bon, l'arrière du tien. Ouais, là, les feux. Moi, j'adore. On est presque sur la grande ligne lumineuse que j'adore chez plusieurs constructeurs. Mais pareil, on retrouve un peu la forme qu'on avait, qu'on avait à l'arrière, à l'avant, pardon, puisqu'on est à l'arrière. Hein. Et je les trouve assez graphiques. Tu vois, quand tu les regardes de près, il y a un dessin qui donne de l'élégance et de la finesse. Petit truc, c'est ça là. Ouais. Tu vois, ça rappelle les clignotants de Mercedes. Les petites, t'as raison, ouais, carrément. J'avais pas fait attention avant. T'as raison. Ouais, un petit peu. Donc, il y a un petit côté premium allemand, c'est ça que tu es en train de dire. Je suis là. Donc voilà, et puis après, il y a évidemment ce E en bleu, à ton avis, pourquoi? Parce que c'était une version italienne, Clémence. Et voilà. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de petits traits entre le Austral et I. Ça fait l'Australe. Ah. Ou l'Australie. L'Australie? Bah, oui. L'Australie, ça fait voyager, quoi. Et effectivement, ils auraient pu mettre un I, alors, sinon, dans ce cas-là. Ouais. On a le crochet d'attelage aujourd'hui. Oui. J'ai rien prévu de tracter aujourd'hui, mais au cas où, on est équipé. Effectivement. Toi, voilà, c'était peint jusqu'à là, mais t'as quand même du plastique sur le bas. Oui, bah. Ça, c'est un avantage et un désavantage. Enfin, bah, c'est un petit peu là, moins joli. Ouais, mais c'est plus. T'as moins peur d'abîmer ta voiture. Ça me choque pas. Alors, autant sur les Arches de Roux et le côté, j'aime moins, autant là, surtout quand t'habites à Paris. C'est vrai. J'ai envie de dire, vaut mieux avoir ça. Effectivement. Et ton coffre? Fais donc voir ton coffre. Non, tu as mal appuyé en fait. Oui, j'ai mal appuyé parce que... Attends, je recommence. Coupé. Voilà. Tadam. Ouh, c'est un grand coffre. 575 litres, c'est pas mal. On a de la place en dessous. Ouais. Ah, tu as le gros caisson de basse puisque tu as la Sono Harman Kardon. Il y a un petit peu d'espace. Et... Franchement, c'est pas mal. Ouais, je valide. C'est plutôt spacieux. Bon. T'es un peu plié, hein, quand même. Il va commencer à faire sombre, là. T'es comment, à l'intérieur? Ah oui, il y a un petit peu moins de lumière. C'est... Je suis pas sympa, j'aurais dû te filer un oreiller. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, il y a quand même de l'espace. Après, ta banquette, elle se rabat en 2 tiers 1/3 de ce que je vois. Elle s'avance de 16 cm, elle se rabat en 2 tiers 1/3. Oh. Je connaissais pas ça chez Renault. Là, je viens de déverrouiller mon crochet. C'est le d'attelage, oui. Bon, coffre plutôt spacieux. Ouais. Bon. Et puis qui se ferme électroniquement, c'est important. C'est bien. Ça, c'est la petite option qui fait plaisir, je trouve. Ouais. C'est pratique. Quand même, quand tu es chargé et tout ça, c'est quand même pas mal. Effectivement. Et t'en penses quoi alors? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Enfin, le Austral. Moi, j'aime bien la face arrière. L'Australe, je l'aime bien. Alors, sur celui-ci, le X1.
un petit peu différent, je trouve un petit peu plus viril également. Des lignes plus qui sont plus agressives, des gros feux. Alors pareil, on a une forme de C. Ouais, on a une forme de C. Mais alors je les trouve. Alors j'aime bien parce qu'il y a des petits dessins graphiques sur un côté, mais je trouve que le dessin global est pas très fin, quoi. C'est plus brutal, je trouve. Ouais. Enfin, il y a un peu plus de virilité ici. Ouais. Je trouve. Et c'est vrai que l'autre, il a ce petit côté de finesse qui lui amène un petit truc sympa. Même le béquet de toit, il est plus agressif chez toi que sur l'Austral. Ah, il est beaucoup plus long, il retombe plus. Et en fait, si tu regardes le haut, on dirait un petit peu une BM Break. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, en fait, si tu coupes ici, ça, on dirait peut-être la fin d'une BM Break. Ouais. Et je trouve ça assez sympa. Après, bon, on a quand même cette partie-là qui est très imposante, qui, pareil, élargit la voiture. Mais tu vois, moi, tout est peint. Ouais, tout est peint. Et après, tu stresses plus. Tu stresses plus. Mais ça amène un petit côté un petit peu mieux fini. Très bien. Jusqu'au bout, quoi. Ouais. Sur l'arrière, donc les feux, pareil, full LED comme toi. Et dans le coffre, donc pareil, version coffre automatique, hein, puisqu'on devient de plus en plus feignant. J'ai également un petit peu d'espace là-dessous. J'ai le CarPlay qui s'active en sans fil à chaque fois. Un petit peu de rangement ici. Et t'as dit quoi en volume? Je t'ai pas écouté. 540 litres. Ok. Donc 540 litres. Moi, j'ai la banquette qui sera bas en 40, 20 avec 40. Ce côté-là, toujours fixation top des ISO fixe sur les deux sièges d'extrémité pour les enfants. Et puis voilà, le triangle qui est caché là. Et normalement ici, ça passe aussi. Encore une fois de toi. Pourquoi tu veux m'enfermer? Parce que là, j'en ai marre, je te trouve trop bavard. Mais aidez-moi. Et cette fois-ci, je t'ouvre plus. Ah non. Tu me promets d'être moins bavard ou pas? Promis. Je trouve pas. Promis. Tu seras moins bavard. Alors, c'est elle qui parle depuis tout à l'heure. Non, mais je rêve. J'essaye de condenser un peu parce qu'on me dit trop de trucs et du coup, il est très frustré. Ah oui, moi, j'aime bien parler avec vous. Je lui dis d'essayer de faire des formats plus courts. C'était plus... Alors, t'es plus pipelette qu'une femme. Mais je fais des formats une minute, sinon. Oui, ouais, c'est tout, c'est les extrêmes. Une heure ou une minute, vous préférez quoi? Moi, j'aime bien les formats une minute. Les plombs, c'est bon. Premier ride 2023. C'est bon, tu es bonne sur le clap maintenant. Ça y est, je sais faire. Hey. Salut, bonne forme. Donc, bon ceinture de sécurité, clignotant. Clignotant, oui, parce qu'on va sortir de la place de stationnement. Drive, je tire le petit le nouveau sélecteur de vitesse qui est maintenant, enfin souvent comme beaucoup de marques, hein, t'as vu, c'est des petits... Ouais, mais c'est pas mal, j'aime bien. Ça devient de plus en plus petit, c'est de plus en plus simple. En même temps, on n'a jamais besoin d'y toucher, hein. Une fois pour avancer, une fois pour reculer. Effectivement. Et c'est vrai que des fois c'est pratique juste du petit pouce, hop, reculer, caméra 360. Ouais. Je peux choisir un petit peu d'où. Ouh là, il y a un gros camion qui arrive. Tu vois, on a mis notre clignotant, mais il ne nous laissera pas passer. Non, mais en même temps, là depuis 3 heures, on est sur ressorti. Bon, hop. Ah ouais. Tu vois, la caméra elle tourne en plus quand tu tournes le volant. Alors ça j'aime bien parce que des fois c'est pratique quand tu t'approches d'un mur ou un truc comme ça. Alors moi je sais pas faire. Ah ouais. Les lignes, ça me perturbe, j'ai besoin de voir les rétros, de voir en vrai. Mais 360, je trouve ça pas mal pour si t'as un petit plot, un chien. Pour ça, c'est pas mal. Mais en revanche, les lignes, ça m'aide pas du tout. Je suis pas câblé pour comprendre, je crois. Je t'avoue que j'ai jamais fait attention en fait aux lignes, moi non plus. Mais en fait, je regarde surtout la caméra et je vois en fait ce qu'il y a par terre plutôt que l'aide des. Je suis d'accord. Et on a le CarPlay aussi en filaire ou sans fil si on souhaite. Ça c'est trop bien. Donc ça j'avoue que c'est un gros avantage. Moi je suis fan perso. Alors je sais pas toi, est-ce que tu utilises le GPS des voitures? Non, jamais. Intégré. Jamais. Jamais, jamais. Moi je suis Waze à fond et je suis peut-être même en train de passer sur Google Maps que je trouve mieux. Ok, je t'avoue que moi Maps je trouve ça top de chez top. Ouais. Mais je passe de plus en plus sur Waze. Ah non, mais ils se plantent le chemin tout le temps. Mais Waze en ce moment ça plante beaucoup, mais par contre il y a les radars. Donc, C'est... Je mets souvent les deux en fait. Ok. Des fois, avec le CarPlay comme ça, tu peux allumer Waze et il dit au cadeau, bip bip, attention, ça, c'est zone de contrôle. Mais comme on respecte les limitations de vitesse, en même temps, on s'en fout des radars. Toujours, Mais des fois, sans le faire exprès, mon pied droit, il est trop lourd. Ouais, un petit peu. Ouais. C'est le poids des chaussures, ça. Ah, mais c'est ça, faut que tu te chausses plus légèrement. Effectivement. Ouais, c'est ça, bon. Je comprends. Sinon, à bord de cette voiture, donc le X1, X-Drive, 4 roues motrices. Alors pour la ville, c'est pas forcément très important, mais selon où on habite, ça peut être un plus. Ça peut être bien, si tu habites à la montagne, c'est vachement bien. Mais sinon, tu vois, c'est plutôt calme. Ouais, c'est plutôt agréable. C'est silencieux. Donc, il existe en plusieurs motorisations, hein, comme on l'a dit. Il pourrait y avoir une version 100% électrique, le iX1, que je vais essayer d'ailleurs bientôt.
La i7, c'est la grosse berline qui devrait être vraiment pas mal. Mais c'est possible qu'on se retrouve. Mais tu ne m'as pas dit. Et donc, voilà, moi je le trouve plutôt agréable. Et je trouve que ce nouveau X1, ils ont fait quelque chose d'assez bien parce que, regarde, même la Dodan, on va voir que niveau confort. Ouais, franchement, c'est assez gommé. C'est pas trop mal. Ouais. Alors, tu vois, j'ai trouvé un terme il n'y a pas longtemps en essayant une BM. Vas-y. Pour la suspension. Parce que, tu vois, chez BM, ça reste quand même assez ferme. Ouais. Mais on a quand même du confort. Mmh. Et j'ai trouvé un terme pour dénommer ça. J'ai appelé ça la fermeté flexible. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais, ça correspond pas mal. Tu vois. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien. C'est ferme, mais en même temps, c'est flexible. Ouais, on se prend pas des à-coups un peu violents. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ça marche bien. Et je trouve que bah, il y a ce côté assez sympa. Donc, on garde du confort, mais en même temps, elle garde un très bon dynamisme. Ouais. Comparé à... Bah, j'ai essayé le X3 PHEV, qui était beaucoup plus pâteau, alors que celle-là, je la trouve assez dynamique. D'accord. Voilà, j'aime plutôt bien. Et c'est agréable à l'intérieur. Le curve display, ça, assez bien. Joli. Ouais, ça, j'adore. Bon, c'est plus du tout révolutionnaire, on l'a effectivement. Vu plein de fois, mais c'est joli et c'est clair, en fait. Exactement. Et je trouve que, comparé aux anciennes BMW, là, ils ont vraiment fait un effort parce qu'il n'y a plus toutes les petites touches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu te rappelles ici, là, ouais, l'autoradio et autres. Et je trouvais que ça faisait vraiment années 1990. Ouais, non, moi, je suis un peu de la vieille école. J'aime bien avoir quand même des touches pour les raccourcis, tu vois, un peu façon Peugeot, tu vois. Ouais, je vois. Parce que l'écran, tu dois regarder les touches, tu sais que c'est la touche numéro 3, tac, tu ouais. Cliques, ta clim ou je sais pas quoi. Bah là, tu n'as plus du tout de bouton. Non. À part les modes, que je peux changer ici. Donc on a plusieurs modes personnalisables. Qui sont affichés où ? Que j'affiche là. Voilà, donc personnel, sport, efficient, expressive. Expressive, c'est surtout une sorte de personnalisé avec des belles couleurs. Où le personnel, je peux le personnaliser. Le sport, qui te change en gros les compteurs, ça devient un peu plus rouge, ça te met une autre ambiance, l'éclairage. Là, c'est rouge par exemple. Là, c'est rouge par exemple, effectivement. Mais tu vois, on regarde de plus en plus nos écrans de nos jours. Que je disais, du coup, bouton. Et donc le mode sport ici ne va pas servir à grand chose, mais moi j'aime bien le mode efficient qui me change un peu les compteurs, les couleurs et autres. Et toujours et puis, la touche home. Réduit ta conso, c'est pas rien. Oui, c'est pas mal. Et tu vois, niveau conso, alors là il s'est éteint, mais je suis aux alentours de 7 litres au 100 avec. Ok. Ce qui est plutôt correct puisque ce n'est pas un hybride. Le gabarit de la voiture, ouais. C'est un micro-hybride avec une petite hybridation à 48 volts. Et tu vois, là il y avait le start and stop, il a redémarré automatiquement, pas de. Plutôt pas mal. Ça c'est pas mal. Mais voilà, moi je suis assez content. Chargeur induction ici, un grand espace. Ça c'est pareil, on peut plus s'en passer, je trouve. Une fois qu'on y a goûté, c'est CarPlay sans fil et un chargeur induction, ça te change quand même la vie. Carrément. Et tu vois, il y a pas mal de rangements ici en dessous. Ouais, j'allais t'en parler, j'ai vu. Moi, dans les portes. Je suis un peu bordélique, moi, dans la voiture, c'est mon bureau, quoi. J'ai plein de trucs. Dans la voiture, c'est vraiment mon bureau. Et du coup, j'ai besoin d'avoir plein de rangements et ça, je trouve ça génial. Quoi. Ouais, c'est bien. Insto, voilà, gros volant. Alors, est-ce que toi, t'aimes bien les gros volants comme ça, avoir en main quelque chose d'énorme? Eh ben, je suis plutôt de l'école des petits volants. Ok. Après, je suis pas perturbée quand j'ai un gros volant, mais si je devais personnaliser ma voiture, j'irais plutôt sur un petit volant. Okay. Je trouve que sur les longs courriers, c'est quand même plus confortable. T'as les bras posés, etc. Mais c'est vrai. Bon. Toi, t'es quoi? Quelle école? Moi, moyen. Les trop fins, j'aime pas, mais. Le mec, c'est la Suisse. Moi, je me prononce pas. Non, les moyens, j'aime bien. Genre ceux de Porsche, c'est ceux que je trouve parfaits. Oh, tout rond. Ouais. Et ouais, c'est vrai. Parfaite. Ouais. Tout simplement. Voilà. Si, non, excusez-moi. Si, excusez-moi du peu. Mais. Oh putain, plein de scooters BMW. J'ai jamais vu autant. Ils ont réuni tout seul. Ils sont pas tous très propres. Ouais. Mais non, après, il est agréable. Tu sais, il est un petit peu moussé. Ouais. Au toucher, c'est agréable. Après, il y a toutes les aides à la conduite aussi. Alors ça, moi, si tu me connais un petit peu, hein, tu sais que j'aime bien. Ouais. Ça marche comme ça, je l'active. Hop, je lui dis 50 ici. Et regarde, je ne touche plus à rien. Et là, pam. Alors, en plus ici, c'est une opération un petit peu compliquée. Ici, c'est quand même l'endroit le plus galère. Où ça tourne le plus et tout. Donc là, par exemple, je peux lui dire 50 km/h, s'il te plaît. Et tu vois, moi j'aime bien, hein, je ne touche plus à rien. La voiture fait sa vie. Ouais. Elle sait ce qu'il y a sur la gauche, sur la droite, devant, derrière. Elle anticipe, elle a le freinage. On peut lui dire de régler la vitesse automatiquement. Moi, je lui ai demandé plutôt de m'annoncer la vitesse et que je règle moi-même. Parce que des fois, on aime bien
pousser un petit peu plus. Ouais. Là, par exemple, il y a le panneau 70. Elle me dit dans l'affichage tête haute, est-ce que tu veux passer à 70? Appuie juste sur 7 et tu vas toujours repousser au pied. La voiture va s'y mettre. Elle a le prédictif. Quand elle arrive en virage, elle sait grâce au régulateur adaptatif et à la cartographie que ça va être en virage. Donc, elle ralentit d'elle-même aussi. Hyper poussée. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment bien. Le Renault, là aussi. Ouais. Donc, Renault, en tout cas, là, ils ont fait un vrai, vrai effort sur leur nouvelle voiture. BMW, c'est normal pour moi qu'ils aient ça. BMW, Mercedes, ouais, les premium. Les Allemands, les premium, on s'attend à ce qu'ils aient ça. Et j'avoue, mais n'empêche que ça reste quand même très bien. Et Renault, effectivement, c'est là, voilà. On s'y attend moins. Ouais. Moi, je touche à rien. C'est, je me laisse conduire. Alors, après, elle clignote en jaune comme ça pour me dire, ah, Nico, elle est pas contente. Touche la voiture. Et regarde, là, il y a quand même un gros virage. Elle arrive à le négocier. C'est très et beau. Et t'as les pieds qui sont loin des pédales. Je ne touche à rien. Voilà. Faut vraiment que je fasse confiance. Oui, à la voiture, tu vois. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Donc essuie-glace automatique. Essuie-glace automatique. Non, mais bien tout sûr. Est automatique. Non, mais je sais pas pourquoi on je a qu'à faire une sieste. Mais viens, on va se mettre derrière. Et en vrai, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ouais. Panneau 90, elle me dit 90, oui, je cède. Elle monte à 90. Mais enfin, elle clignote, hein, ta voiture, elle est en colère. Oui, parce qu'il faut la toucher. Ouais. Mais tu vois, alors donc là, on est en montée. On a un petit peu de bruit moteur, mais ça va. Non, franchement, ça va. Niveau insonorisation, bon, un gros camion qui est en montée. On entend un peu, mais je trouve que c'est plutôt bon. Honnêtement, ça va. C'est... Bah, je trouve ça plutôt bien insonorisé, cette voiture. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis, on est bien, effectivement, là, on n'est pas secoué dans tous les sens, la route n'est pas nickel. Et en vrai, c'est plutôt confort. Et c'est ce qu'on demande au moins à cette voiture. Et d'ailleurs, même, on est bien maintenu. Ouais, ouais, ça, vrai. J'adore, quand même. On est bien maintenu, on est confortable. Alors, attends. C'est réglable électriquement, ça pareil, c'est important. Je suis devenu flemmarde avec le temps. Ouais. Et ça, c'est bien que ce soit électrique pour les deux parce que souvent, des fois, il n'y a que, ça, que le conducteur. Ouais. Mais pareil, si tu achètes allemand, je trouve que c'est essentiel. Exactement. Enfin, c'est censé faire partie du package. Je regarde ce que tu as d'autre. Donc, porte-gobelet, des ports USB dans tous les sens. Éclairage un peu partout. Éclairage ambiant, alors tu peux changer les couleurs. Exactement. Ouais. À l'arrière, donc t'as une banquette coulissante ? Oui, sur 13 cm. Ouais, moi 16, je crois. 16 ? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah, ça joue des fois 3 cm. Ouais. Hein, certaines qui disent. Que ça fait une énorme différence. Ouais, ce qui paraît. Non, mais il y a de la place pour les passagers à l'arrière. Et moi, tu vois, là, on a 90. Et en vrai, tu vois, enfin, je conduis pas depuis tout à l'heure. Hein, c'est, je touche un petit peu le volant de temps en temps, histoire d'eux, parce qu'on a un volant capacitif. Ouais. Non, franchement, honnêtement, c'est. On s'en sera en fait dans cette voiture, je trouve. Ouais. Bah, du coup, je vais faire une sieste. Hein. Bah, bonne nuit, Clément. Salut. Bon, rêve un petit peu de ton petit Austral. Allez. Ah oui, que je vais te présenter dans 2 minutes. Voilà. Allez, bonne nuit. Bon, allez, je vais être solidaire. T'es prête ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, désolé. Tu t'as vachement fort dans tes mains. Bah, t'as vu, je fais. Ouais. Voilà. Ça résonne. Ouh là. Bon, allez. Un petit bout à 110 ici, on va s'insérer, on va regarder en même temps. Donc, on a un petit peu de puissance, alors là je suis dans le mode efficient, et si besoin. T'as vu que j'appuie à fond. Ouais, ouais. On entend très peu le moteur. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, en fait, la sensation d'accélération par rapport au bruit que t'entends, ça colle pas. Ouais. En fait, ça a bien poussé. Ouais, ouais. Dans un calme. On n'entend rien. Dans un calme d'une calamité. Une calamité. Pas sûr que ça s'emploie comme ça, mais. Attends, mais regarde, là on va se faire un. Allez, 80-110. Ah là, bah, en mode sport, on entend. Et là, je suis en mode sport, mais je pense qu'il y a des haut-parleurs qui nous. Tu sais, qui mettent un petit. C'est possible. C'est possible, le mode sport, il pousse souvent un peu le son. En plus, on a des échappements actifs à l'arrière, parce que. Pas forcément pour le mode sport, mais en mode sport, enfin. Mais attends, ouais, cela dit, on va être honnête, hein, si en mode sport. Il n'y a pas de son, personne n'est content. Effectivement. Et je trouve que le son est plutôt sympa. Ouais. Il fait pas trop poussif. Ouais. Et bien. C'est vrai que on se dit, voilà, on n'a pas un moteur downsizé ultra petit. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Et... Ouais, bah ouais. Et la relance est franchement correcte, quoi. Ouais, franchement, super. On a un peu plus de 200 chevaux, on a l'aide du petit moteur hybride. Ouais, vrai, qui aide à l'accélération, du coup. Hein, c'est le seul moment où il sert, on est d'accord. Exactement. Et je vais me repasser en efficient. Et tu vois, je pense que ouais, les haut-parleurs ils travaillent. Je crois qu'il faut peut-être que je sorte là. Vite, vite. Navigation, CarPlay. Non, c'est pas lui, CarPlay. Clément, ah, j'ai pas pris mon CarPlay. Est-ce qu'il faut aller là ou pas? Ah, je pense que tu t'es planté. Non, mais je crois que c'était vraiment là en plus. Mince. Mais oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, attends. Ah, ah.
Le mec me présente pas les ça. Écrans comme là, ça. Ah. Là. Et voilà, on s'est planté. Flûte, flûte. Et voilà, c'était sûr. Non. Le mec me présente sa voiture et il n'y connaît rien. Mais non, mais c'est, j'ai du mal là, tu sais, des fois, c'est trop de tactile. Il faudrait qu'il y ait un CarPlay mis en tout le temps là-haut en raccord. Je suis d'accord. Mais tu crois pas que Nav. Non, Nav, c'est le GPS c'est... de la voiture, c'est pas le Nav du CarPlay. Ouais. Bon. Bon, bah, pas bravo. Hein. Bon, je t'emmène faire une balade, mais on va quand même essayer ton Austral. Bah ouais, parce que j'ai des trucs à dire moi aussi. Allez, c'est parti. Ton moment favori. Mon moment favori. Oula, dis donc, la moto. Eh, tu vois, elle a activé les caméras 360 ouais, parce direct. Qu'il y a quelqu'un qui passe ouais. à côté de toi. Alors ça, j'aime bien. Mais tu vois, ce qui était top, c'était qu'elle le mettait en tout petit. Mais elle m'a caché mon écran quand même. Ouais, j'ai remarqué aussi, c'est un peu dommage. Parce que quitte à le mettre en tout petit, tu peux garder ton GPS. Ouais. Mais GPS un peu perdu dans ses... qui ouais. s'est retrouvé. Bon, présente-moi ta petite voiture hybride aujourd'hui. Donc, j'ai une hybride. Ouais. 200 chevaux, une batterie de 1,7 kWh. Okay. Et une voiture qui fonctionne super bien. Donc c'est et que je découvre en même temps que toi. Alors toi tu as déjà conduite, moi je la connaissais pas du tout. Exactement. Donc c'était un peu la curiosité de la rentrée. Il était temps que je fasse connaissance avec ce modèle là. Et ma première surprise c'est ce volant. Tu me parlais du grand volant. Bah là il est grand et il est carré. C'est vrai qu'il est carré. Et c'est assez graphique. Ovale au carré. Ovale au carré. J'ai envie d'inventer plein de mots cette année. Oui, je vois ça. Et honnêtement, je trouve ça plutôt sympa dans le design. Après, bon, là, j'ai fait 3 mètres, donc je peux pas encore te dire si je trouve ça bien. Mais dans le design, c'est pas mal parce que ça me dégage complètement l'écran que j'ai. Pareil, j'ai une grande dalle numérique. En fait, c'est deux dalles numériques. J'en ai une horizontale pour moi et une verticale pour tout l'infodivertissement. Donc, c'est plutôt pareil, assez clair. Je trouve ça pas mal. Vraiment. Mais tu sais que là, chez Renault, avec le Android Automotive, c'est un des systèmes les plus réactifs qui existent. Et enfin, c'est quand même ultra canon, quoi. Ouais, ouais, carrément. Je trouve ça assez fou. L'écran est magnifique. Là-bas, c'est vrai, on a une belle qualité. Et surtout, on a déjà Android d'inclus là-dedans. Donc, ça veut dire que Maps, j'ai pas besoin de connecter mon téléphone. Mais on peut quand même connecter ouais. CarPlay, Android Auto. Mais j'ai déjà Maps intégré dans les applis. De et la ça, voiture. C'est super. Ouais, et ça, c'est super. Super c'est bien. Trop bien pensé pour le quotidien. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein, une voiture, c'est quand même le quotidien. Et pour ça, c'est génial. Carrément. Ensuite, bon, alors, on est en ville. Je trouve ça pour l'instant pas trop sonore. Bon, on sent les dodanes, c'est peut-être un peu plus ferme. On va voir là, il y a le petit dodane de tout à l'heure. Ouais, on va le tester au même endroit. Alors, on sent quand même un peu plus, je trouve, les imperfections de la route. Après, c'est pas dramatique. Alors, attention, le dodane. Le dodane. Non, c'est. Tu vois, je suis pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je suis pas d'accord avec moi-même. Non, le dodane, je trouve qu'il est très souple, mais je trouve que les imperfections. Ralentis là-haut... un petit peu moins, comme ça. Réaccélère un petit peu, ouais. un poil plus vite, voilà, comme ça. Ouais. Je suis à 25. Ouais. Franchement, ouais, alors que les imperfections de la route, je trouve qu'on les sent plus. C'est tu vrai. Vois ce que on, je veux dire on sent les petits défauts, ouais, mais c'est vrai que sur les gros chocs, les dodanes, ben, je trouve c'est... qu'elle est beaucoup plus souple que la BMW. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais c'est la première fois que je me fais la réflexion d'une différence entre un dodane et les défauts de la route. Ouais. Plutôt pas mal. Sonorisation jusque-là, pas mal. En même temps, c'est on est en hybride. Alors, ça, on entend un petit peu le moteur. Il est un petit peu sonore. T'as entendu, là, des fois, quand il redémarre. Ouais, un alors petit attends, peu on va sonore. Réessayer. Parce que alors, moi, je découvre. Là, j'ai donc fait 100 mètres. Donc voilà. un petit truc. Alors, on écoute. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est tout, là. Tu vois, j'adore la. Ouais, moi aussi j'adore. C'est doux. Ça, tu trouves ça bruyant ? Non, là on est en hybride. Ok. Donc là, ce qui est bien avec celle-ci, c'est que quand on est en ville, bah, Renault dit qu'on peut rouler jusqu'à 60% en électrique et ensuite on va consommer un petit peu, mais à chaque phase de freinage, on régénère un peu d'énergie. Alors, ça, c'est le top de l'hybride. Le X1, il existe en essence, en diesel ou en 100% électrique, en iX1. Ouais. Alors que celle-là, elle n'existe pas en 100% électrique. On a de l'hybride à chaque fois, on n'a pas de PHEV et normalement, BM devrait avoir une PHEV. Mais tu vois là par exemple en ELEC, là, on n'entend rien. Bah, c'est vrai que c'est mieux que le moteur thermique de la X1. Et par contre, quand tu vas redémarrer, attends, elle n'a pas envie encore. Tu vois, elle n'a pas dit, envie, voilà, mais c'est bon, pas mal, c'est plutôt un une qualité. C'est une qualité. Tu restes... Bon, je vois quand même la charge de la batterie qui tombe un peu là. Et voilà, c'est que mais forcément, 1,7 kWh. Ouais. Donc c'est une petite batterie pour avoir un tampon et une petite réserve. Les hybrides comme ça, c'est pas fait pour rouler 20 km en ELEC, mais ça va recharger à chaque fois un petit peu, tu vois, à chaque fois que tu refreines. Ouais, ouais, bah ça recharge assez rapidement.
Ouais. Mais enfin, même sur les deux ânes et tout, je la trouve quand même plutôt confort. Ouais, elle est super confort. Et le maintien des sièges, bon, un peu moins que sur le XR. On est quand même sur une esprit alpine. Ouais. Donc on a les sièges. Ça, c'est super joli. Ouais, ça, moi j'adore. Ça fait, ça rend un peu du rêve. Et est-ce que tu préfères que ce soit Mégane, enfin pas Mégane, Renault RS, Renault Sport ou Alpine, le côté Alpine? Ah, bonne question. Bah non, RS c'est quand même très Renault. J'aime bien. Non, je garderai ça. Alors bon, là je viens de dire que j'adore ça parce que Alpine ça a une connotation, mais c'est pas plus bête qu'Alpine reste chez Alpine et que Renault garde le RS. Ouais, mais malheureusement il y a plus de RS. Ouais. Ce sera Alpine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je suis un petit peu mitigé parce qu'Alpine, bah, c'est vrai que ça fait rêver, mais Renault Sport, c'était quand même une branche aussi avec une division. Et qui fonctionnait bien. Qui fonctionnait très bien. Ouais. Donc, et puis ça, c'est joli. Honnêtement, graphiquement, c'est super beau. Le ciel, bleu. Tu vois, le petit drapeau de la France. Ouais, là, c'est super beau. Par-là. C'est super beau, mais c'est vrai que tu te dis, bon, du coup, on perd le RS, qui était quand même pas mal. Le petit détail que j'adore. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur ton volant, tes surpiqûres sont en bleu, blanc et rouge. Oui, t'as raison. Je l'ai vu, je l'ai pas encore évoqué, mais oui, c'est canon. Mais en fait, tout est en bleu, blanc et rouge. Tu regardes partout, tu poses tes yeux, t'as du bleu. C'est, ça. C'est très bleu et t'as aussi là aussi surpiqûres bleues avec rouge du coup. Ouais, surpiqûres grises. Ouais, noir, ouais. Non, c'est bleu. Vraiment. Ouais. Je regardais si c'était pas rouge, mais non, c'est gris. Ouais, super beau. Puis je trouve que c'est assez dynamique, tu sais, dans le design, il est vraiment au couteau, j'aime bien. Alors, je trouve que ça ressemble un petit peu au X1 à l'intérieur, tu vois, c'est parce qu'on a quand même ces parties-là, le Harman Kardon qui est Harman Kardon aussi sur le X1. Et en vrai, là, cette partie, je trouve que ça ressemble un petit peu. Parce que ça rien à voir avec le X1. Hein. Bah, tu vois, quoique cette partie, avec le curve display, tu couperais ici, ça ressemblera un petit peu. Et je trouve qu'en fait, tu vois, en faisant ce comparatif, je pense que je me suis dit, tiens, on va faire le comparatif, mais en vrai, il y a quand même de vraies ressemblances entre ces deux voitures. Ouais, alors je vois ce que tu veux dire quand tu découpes des petits morceaux et tout, mais quand je me suis installé juste après le X1, je me suis dit autre ambiance quand même. C'est la réflexion que je me suis faite direct, donc c'est que quand même c'est il y a des similitudes parce qu'effectivement t'as l'écran horizontal, mais là c'est plus du tout le cas. Oui, là c'est clair. Enfin, moi je préfère par exemple là ici cet écran, je le trouve mieux. Mais il est, personnellement, il est immense. Et plus fonctionnel et autre, et plus pratique parce que là ce qu'ils ont fait Renault. On va pas se le cacher, c'est un des meilleurs systèmes multimédia en ce moment embarqué sur une voiture. Il y a Tesla aussi qui est très fort. Après, ça dépend ce que vous aimez, mais là, eux, ils ont quand même gardé des touches physiques en dessous. Alors moi, ça dépend des écoles, mais moi, j'aime bien. Et on a ce grand écran. Et je trouve que ça complexifie pas non plus Exactement. Toutes les ergonomies. Je peux régler au moins ma clim. Moi, je trouve que c'est le plus important. Et la musique. Le son. Donc, on a le son qui est derrière le volant, avec toujours ce petit Komodo derrière le volant. Toi, tu peux pas régler le son. Si, moi, j'ai sur ma molette. Oui, c'est ça. Parce que moi, je supporte pas quand le passager il me touche les Komodo du volant. J'ai envie de dire PAM. Elle est brutale. Non, c'est horrible, non, quand les gens font ça. Il y en a qui le font. Je trouve ça insupportable. Bon. Bon, sinon, j'ai les aides à la conduite. Donc, mon 70, j'ai le régulateur adaptatif. Donc, qui garde une distance de sécurité avec les voitures de devant, ce qui est pas mal, surtout pour les hommes qui ont tendance à coller les voitures de devant. Et effectivement, c'est pas moi ça. Et après, normalement, si tu appuies sur ce bouton, c'est bon. Lâche tout, Clémence. Ferme les yeux. toi aussi, donc, tu as la conduite de niveau 2. Je vais peut-être respecter la limitation si de vitesse. Fond, tu montes de 10 en 10 ensuite, voilà. Non, 90 ici, Clémence, vite. Donc voilà, là je suis limitation de vitesse. Donc je touche plus rien. Bon là évidemment l'Austral n'est pas très contente. Voilà. Donc je touche pas ni les pédales ni le volant, ça fonctionne très bien, mais bon, en même temps c'est une technologie testée, approuvée, on connaît bien. Et puis là on joue avec, donc c'est pas le but. Mais en termes de sécurité, quand on a un coup de fatigue, quand on conduit sous la pluie, qu'on voit pas bien, qu'on fatigue de nuit, enfin il y a plein de situations, c'est une vraie sécurité. Carrément. Après, il y en a plein aussi qui détestent parce que du coup, la voiture est un peu directive. Ouais. On sent moins mettre à bord. Ouais, non, moi, j'aime bien être soumis un peu à ma voiture. Moi, pas du tout. Moi, j'aime bien quand je suis fatigué, quand je fais la route de nuit pour partir en vacances et qu'il est minuit, que tu as bossé toute la semaine. Et voilà. Mais sinon, je désactive toujours. Bah, tu vois, j'adore. Là, par exemple, je vois pas pourquoi conduire là dans des conditions comme ça. Il n'y a rien d'excitant. Donc, je laisse ma voiture conduire. Ouais, mais j'aime bien quand même maîtriser. Je laisse pas le contrôle. Alors écoute-moi la chanson du moteur. Alors, bon, déjà je m'interromps. On a un petit peu de bruit de roulement. Ouais.
pas forcément plus que tout à l'heure. Non, pas de ceux qui te fatiguent. Parce qu'il y en a qui te prennent la tête. Hein. Là, alors attention, j'accélère un peu. À fond. Bon, bah là, j'ai un petit temps de latence. Hein. ouais. Et on est à 110. Ok. 115. Et bon, bah, il s'est passé une seconde et demie. Il y a eu un petit moment. Ouais, et puis après, ça part. Voilà. Après, tu as plusieurs modes ici, le Multisense, ouais, que tu peux personnaliser. Donc là, tu as tes modes éco, confort, sport donc, et sport, perso. On pourra refaire un test. Donc attends, je vais laisser la voiture un peu. Vas-y, remets-toi à droite, par exemple. Distancé. Ouais, mais si tu me laisses doubler le camion. Et vas-y, fais un 90, ah. 100. Bon, là, j'accélère. Hein, là. Donc... Fais gaffe, il y a un radar après. Donc ça accélère, bien. Mais bon, il y a ce temps de latence. Ouais. Il y a un petit temps de latence. Il travaille dessus, chez Renault. Hein, c'est ce que, exactement. Donc, voilà, mais c'est pas dramatique, sauf que aujourd'hui on a l'habitude de conduire des voitures qui soient quand même de plus en plus abouties, avec des moteurs qui fonctionnent bien, des boîtes qui fonctionnent bien. Et après, c'est vrai, si tu prends tes palettes, tu peux utiliser tes palettes. Ouais, alors ça c'est autre chose, c'est-à-dire que tu t'enlèves le mode automatique dont vont servir tout le monde. Et les palettes, effectivement, ça gomme tous ces temps de latence parce que tu peux faire tomber tes rapports et donc forcément tu réaccélères plus vite. Exactement. Sinon, alors donc les modes, on en parlait, donc il y a sport, perso, éco, confort. Et du coup, je vais faire comme toi, je vais aller sur l'éco. Hein. Et en vrai, donc là, 90 à peu près. Voilà. Non, tu m'as enlevé, tu veux que je me perde aussi. Non, non, mais t'inquiète, je gère. bon, là, la route est mauvaise, donc voilà, on a quelques bruits de roulement, effectivement, là, presque plus que sur le X1, je pense. Peut-être un petit peu plus, effectivement. Le X1 est quand même super bien insonorisé. Ouais, ouais. Bon, ce que j'aime bien sur ta Renault, c'est qu'on a les deux coins bombés dans les rétroviseurs. Alors ça, je trouve ça hyper important. Enfin, moi, quand je conduis, j'aime bien avoir les deux coins bombés pour avoir une meilleure visibilité. Ouais, je suis d'accord, ça, c'est pas mal. On a l'avertisseur d'angle mort des deux côtés. Ouais, ouais. Bon, c'est pas mal. Après, franchement, on est bien. Pareil, t'as un grand toit panoramique. Ouais, qui, bon, j'adore, bon, toujours, hein, mais en même temps, qui n'aime pas, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc là, un gros virage et ça tourne tout seul. Carrément. Tu veux que je lâche ou pas pour... Non, s'il te plaît, tu peux garder deux mains sur le volant. Mais on sent voilà, que l'arrière s'emmène un petit peu et que c'est hyper bien. Il y a deux camions de poubelle qui ont failli se rentrer dedans. Ouais. J'avais jamais vu un accident de camion de poubelle. Bah, je préférerais mieux pas voir, surtout sous notre nez. On se retrouve bloqué. Mais enfin, alors là, on va peut-être pas forcément le sentir, mais enfin, tu sens que la direction est assez vive. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est précis. Et j'avais trouvé ce Renault Austral dans mon essai, vous pouvez regarder aussi, hein, que c'était une des voitures qui avait une des meilleures directions et un des meilleurs comportements dynamiques parce que c'était hyper sain. Et pareil, pas de sous-virage parce que l'arrière emmenait l'avant. Et sur les petites routes de montagne en Espagne, j'avais trouvé ça bluffant. Et je m'étais dit, waouh. Là, c'est un peu ce qui va nous manquer, c'est le test sur des petites routes de montagne. Ouais. Parce qu'à Paris, c'est compliqué. Il y en a moins, beaucoup moins. Bon, dans ta voiture, tu as des rangements aussi ou pas? Alors, il y en a plein. Donc là, bon, tu vois ta porte-gobelet, mais c'est quand même un gros rangement. Puis, tu en as un autre qui est caché là, sous le chargeur à induction. Alors ça c'est assez original. C'est quand même pas mal. Hein, d'avoir le chargeur à induction qui coulisse et tout. Pas mal, plus encore ici, on dirait. Ouais. Encore là, tu en as dans les portières. Enfin, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Une boîte à gants plutôt grande. Ouais. Ouais, il y a quelques rangements. J'ai de la place pour banquette coulissante aussi, sur 16 cm. Ouais. Voilà, elle est avancée, toi elle était reculée, donc mais on passera à l'arrière, on regardera. Mais du coup, t'as quand même pas mal de place. C'est vrai. Donc, mais on est bien. Enfin, franchement, je trouve que c'est une bonne voiture. Ouais. C'est une voiture pertinente pour le quotidien. Et puis, je trouve en plus gros progrès à l'intérieur. Parce qu'ils ont eu un petit passage à vide. Pour moi, ils sont vraiment là. Ouais. Enfin, ils font partie des meilleurs. Là, honnêtement, c'est vachement sympa. Et ils gardent leur personnalité, tu vois. Ouais. Bon, allons voir la collègue. Alors, viens à l'intérieur, viens chaud. Tiens, déjà, commencer, on va faire coulisser. Ah, mais c'est à l'avant, surtout. Oui. Je me suis beaucoup reculé. Est-ce que tu vas y arriver? Bon, ouais, c'est vrai que ça coulisse. En vrai, là, je suis à l'avant, c'est bien reculé. Et pour autant, j'ai la place. Mais bon. Bref, on retrouve bien, quand tu regardes la portière, tu retrouves tout à fait l'ambiance qui est à l'avant. L'Alcantara, les mêmes dessins, moi que j'adore, qui sont très dynamiques, un peu acérés même, j'ai envie de dire. Est-ce que si tu touches là-haut, c'est moussé? Non. Devine au bruit. Écoute. Non. Dommage. C'est pas dommage. Ouais, c'est un peu dommage. À l'avant? Oui. À l'avant, oui. Donc, non. Là, non. T'as toujours les surpiqûres bleues qu'on aime bien. Là, tac, un peu en mode chauffeur, tu
tu vois. Donc tu peux mettre des petits bonbons. Non, j'avais pas pris. La ceinture. Donc là, tu vois, c'est pareil. T'as vraiment. En fait, c'est très poussé quand tu regardes les sièges et tout ça. L'ambiance un peu alpine est très poussée. Et je trouve que c'est vraiment sympa. Du coup, c'est réussi. Et les places arrière sont pas oubliées. Donc t'as des chargeurs USB-C, t'as clim. Enfin bon, bref, je trouve que t'es pas mal. Ça va. Et ça. Et ouais, on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, le toit panoramique, c'est trop bien. Et le design des sièges, ça paraît débile, mais je trouve que ça dégage pas mal la vue des passagers arrière. Parce que tu sais, il est assez petit, en fait. Ça va. Après, il y a ces petites oreilles, là, ici, qui remontent un petit peu. Ça fait un peu petit chaton. Oh, petit chaton. Petit chaton, avec le petit drapeau. Ouais, les petits drapeaux, ça j'aime bien. C'est un petit truc cool. Et la vue sur l'avant est assez sympa. C'est vrai, on voit pas trop mal le monde. La tête est quand même assez imposant ici. Oui, t'as un trou là. Mais ouais, enfin, tu me dis, quelqu'un. Il y a un coup normalement. Bah, pour Nicolas XVI qui a plus de tête, tu vois, ça marche. Mais après, c'est vrai que c'est bien dégagé entre les sièges, c'est assez espacé et on a une belle vue sur là. Je trouve que on voit pas mal les pieds, le poids de panoramique. C'est vrai. Donc je trouve que c'est pas mal. Allez, je t'emmène là-bas. Vas-y, emmène-moi là-bas. À ton tour, raconte-moi tout. Alors, intérieur BMW. Alors, tu vois, premier truc que je remarque maintenant que j'avais pas fait attention, c'est que moi aussi j'ai des petites oreilles de chat ici. Un gros chat là, tu vois. Un gros chat. Miaou. Un bulldog. c'est pas un chat, un bulldog. Non, mais justement, je suis pas sûre que ça fasse chat. Non, mais T'as pas bien lu quand on était enfant les magazines. Non, mais rêve. Non, je te dis que c'est pas un chat, que c'est un bulldog. D'accord, très bien. Ah, stop. Pardon. Alors, donc, moi. Pareil, j'ai du plastique ici dur, j'ai pas d'alcantara, mais j'ai du cuir un petit peu partout. Sonora Mancard, donc qui est un petit peu plus poussé que sur l'Austral. Oui. J'ai une petite LED là, qui est bleue. Finition assez sympa, comme on retrouve chez BM, la place dans les portes. Sellerie ici, donc on peut le voir marron, ce cuir marron. On a les sièges qui sont. Alors, comment ça marche déjà? Là, un petit peu inclinable. Alors, je peux passer de très droit, c'est très strict, à. C'est beaucoup plus relax. Ouais, ça, c'est un vrai plus. C'est quand même vraiment important. Ouais. Et ma banquette qui coulisse également sur 13 cm. C'est quand même pas mal parce que, comme on peut le voir, ça coulisse plutôt bien. Putain, il est vraiment tapé, ce mec. Totalement. J'ai de l'éclairage au pied, regarde. C'est bleu. Ça, très important. Hein. Très important. Mais, moi, j'aime bien en fait tout ce qui est petit gadget comme ça, supplémentaire. En vrai, je trouve que c'est un plus. J'aime bien ça. La couloir, moi, j'aime bien. Mais surtout qu'il y a la petite languette ici qui m'aide à tirer. Mais ne nous fatiguons pas trop. Voilà, comme toi, un double porte-gobelet, très simple. Sauf que moi, j'ai cette partie-là qui rabat ici. Donc, ça, pour ceux qui iront au ski en février, là. Exactement. Tac. Et tu vois, si je veux prendre mon pied, c'est assez facile. Hop. Et ensuite, je réincline. Ça, c'est pas mal. C'est un petit plus. Grand toit panoramique, mais plus petit que dans l'Austral. Cette fois-ci, on peut le voir. Et surtout, celui-là, il est ouvrant sur cette partie avant. Bon, ça, c'est pas mal aussi. Petit plus. J'aime bien que ça s'ouvre. Sinon, au niveau de l'espace aux jambes, comme tu peux voir, moi, il est réglé pour moi, le siège. J'ai quand même pas mal de place à l'intérieur. Climatisation également, deux ports USB-C. Un petit rangement ici, mais pas hyper pratique. Parce que si on met des pièces et qu'on roule un petit peu dynamiquement, ça va voler. Ouais. Mais on est bien aussi, on est pas mal. Bon alors. Est-ce qu'on a réussi à les comparer? Parce que pas les mêmes tarifs, pas du tout la même philosophie. Deux voitures assez différentes. Ouais, et pourtant qui pourraient s'adresser au même profil de gens. Exactement. Des SUV familiaux, pratiques au quotidien, bien pensés, mais qui sont très différents. Parce qu'au final, comme on a vu, niveau taille, exactement la même taille, les voitures, enfin à 2 cm près. Ouais, c'est la même chose. Niveau intérieur, on est bien dans les deux. Ouais. Niveau multimédia, les deux sont super bien équipés, enfin fonctionnent bien, c'est fluide. Il y a tout ce équipement, qu'il y a besoin d'un, c'est pareil, très bien équipé dans les deux cas. Conduite, il y a la conduite de niveau dans les deux, il y a toutes les assistances. En vrai, pas du tout les mêmes tarifs. Voilà, on est quand même pas du tout le même design. Design, ça n'a rien à voir. Niveau qualité perçue, on va dire que la BM garde quand même ce côté un peu plus premium, mais en vrai, la Renault, elle a quand même des arguments. Elle n'a pas à rougir. Parce que, on a de l'Alcantara, on a la finition alpine. Elle est très jolie. Pour moi, le plus du Renault Austral, c'est quand même ses 4 roues directrices. C'est génial. Surtout avec des gabarits comme ça. C'est ça. On n'a pas fait forcément la démo extrême aujourd'hui, mais regardez la vidéo si vous êtes intéressé.
C'est vrai que ça, c'est un vrai plus, même pour se balader sur les parkings et autres. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est vraiment. C'est quand même le vrai tu côté. Tu le sens tout de suite, en fait. Tu as beau ne pas le savoir, au premier virage, à la première manœuvre, tu te rends compte que tu vas mais... Donc, en vrai, il y a plein de choses. Les deux sont assez conformes, on a pu le voir. Peut-être le Renault un poil plus, plus amorti, mais on ressentait des fois un petit peu plus de vibration sur les petits chocs, mais sur les dodanes et autres. Super je trouvais qu'il était un petit peu plus souple. En fait, on a vraiment deux voitures différentes. C'est très quoi. Difficile de trancher. Je sais pas si c'est pertinent de trancher. Vous, si vous partez sur l'un des deux, lequel vous séduit le plus? Moi, sur le design, on n'est pas d'accord, par exemple. Voilà. Design, toi, tu préfères lequel? Moi, je préfère le X1. Ben, moi, je préfère l'Austral. Ouais. Après, j'aime bien la peinture mate de celui-ci, mais il existe aussi en gris mat l'Austral. Oui. Donc, ce qui lui va très bien, d'ailleurs. Ce qui va bien. Mais j'avoue que je préfère en bleu, moi, perso. Ah ouais, moi j'ai... Bah oui, surtout avec l'esprit alpine. Évidemment. Mais l'esprit alpine, justement, le gris mat est disponible que sur l'esprit alpine, il faut savoir. Ouais. Et mais du coup, le petit badge ressort encore plus. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Choix difficile, hein. Non, choix difficile. Il y a quand même une expérience de conduite, peut-être... j'arrive pas à savoir si je suis influencée par toutes les voitures qu'on a essayées, parce que l'Austral monte en gamme par rapport à ce qu'on a pu essayer chez Renault. Mais j'aurais tendance à dire peut-être plus BMW, mais en fait, je sens... C'est difficile. Parce que, en fait, pour moi, je trouve que le X1, actuellement, c'est le meilleur compromis chez BMW. Ouais, parce que ça reste leur SUV entrée de gamme. Mmh. C'est le premier, parce que ça va jusqu'à 7. Là ça devient vraiment trop gros. Le 7 ça devient énorme. Mais je trouve que le X1 à celui-ci, c'est le plus réussi de tous les X1. Ils sont vraiment évolués, 3e génération. Ils en ont vendu plus d'1 million le dernier exemplaire. Enfin c'est fou, c'est un succès commercial. Et j'avais adoré. L'Austral, c'est nouveau, ça remplace le Kadjar. Et là il y a vraiment un vrai bond en avant. Il est commercialisé que depuis septembre. Hein. Ouais. Enfin, c'est vraiment nouveau, c'est tout, nouveau. Quoi. Carrément. Donc, voilà. Après, niveau motorisation, deux philosophies différentes. Là, on a vraiment un 4 cylindres. Là, on a un petit 3 cylindres qui est différent. Alors, on a peut-être un petit peu plus de bruit de niveau moteur ici. Et on sent que chez BMW, ils sont un petit peu meilleurs sur la motorisation. Mais on a l'hybridation. Mais bon, il y a l'hybridation. C'est ce que j'allais dire. C'est plus pertinent. Enfin, j'ai envie de dire, sur l'usage au quotidien, l'Austral est peut-être un peu plus pertinent. Là, tu as plus le kiff du premium. Exactement. Et de l'image de marque. Voilà. Et voilà, donc c'est autre chose. C'est peut-être plus statutaire, on va dire. C'est vrai. Après, pour ceux qui sont intéressés pour les niveaux conso, moi, j'ai réalisé en réel 7 litres environ avec celui-ci. Et celui-ci, on va dire qu'on sera entre 5 et 6 litres selon l'utilisation. Mais c'est dur de passer au-dessus de 6 litres parce que on a quand même cette hybridation qui est bien. Lorsqu'on joue en ville, elle prend quand même beaucoup le relais. Ouais, d'ailleurs, en ville, là, on était quasiment tout le temps en électrique. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, pas mal d'avantages. Bon, Clément, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je m'en vais. Je te laisse te débrouiller. Du coup, je la découvre, je vais peut-être rester un peu avec l'Austral. D'accord. Bon, on laisse les gens décider ce qu'ils ont préféré. Ouais, dites-nous. Voilà. Dans tous les cas, je pense que c'est un bon choix, peu importe la voiture. C'était marrant d'essayer des voitures un peu différentes et qui pouvaient s'adresser au même type profil familial. Exactement, parce qu'on a 5 places, SUV, petit SUV, même taille, même truc. Mais, même volume de coffre, tout pareil. Quasiment. Donc voilà, pareil. Pareil, ça me rappelle un comparo. Allez, viens. Clémence, allez. Ciao. Non, moi, je pars là. Tu vas par là, moi. Allez, bisous. Bye, bisous.